Il y a un magasin de disques et les mecs sont complètement en train de disjoncter, c'est un vrai rendez-vous. Enfin, c'est à méditer parce que on devrait faire des choses comme ça en France. Alors on est toujours à Hollywood, bien sûr dans les arrières-rues parce que Hollywood c'est un vrai piège à con pour touristes. Mais là, nous on connaît les petits bordels et on est tombé sur un disquaire incroyable. Il y a même des musiciens qui jouent live les disques. Ça vaut que dalle puisqu'il y en a même dehors qui coûtent, je crois qu'ils sont prêts à te les donner pratiquement. C'est-à-dire quelques cents, ils arrivent encore à trouver des bons trucs. Bien sûr le manager nous a laissé l'autorisation de filmer parce qu'il faut toujours demander l'autorisation aux États-Unis, rien n'est acquis. Donc on va aller filmer ces musiciens et tous ces disques qui partent dans tous les sens. Enfin ça commence là. Le magasin s'appelle The Record par Lord. Je ne connaissais pas, je connaissais les grands trucs, mais celui-là c'est vraiment au détour d'une rue justement. Bon, on est parti derrière Hollywood. Alors comme tu peux voir, tu peux trouver ça pour 98 cents. Les Redman, bien sûr, ça c'est le bric-à-brac qu'on peut trouver aussi bien dans les régions parisiennes que sur eBay, enfin sur Internet. Et on va rentrer, alors attention, c'est bluesy, il y a du public, les mecs en veulent, mais ils vendent des disques, et c'est ça qui est magique, c'est une superbe ambiance. Let's go, viens avec moi, je te montrerai un truc incroyable. On est à Hollywood. Donc comme tu vois, là il y a le fun. Rempli de funk, il y en a dans tous les sens, bien sûr. Bon bah on a du plus classique au plus pointu, ça monte de 2 dollars à 7 dollars voire 15 dollars pour une belle pièce comme les Ronnie Angela. Il y a certains albums qui sont encore très très cotés et qu'on ne donne pas comme ça. J'ai vu une belle pièce, les belles pièces, les compilations avec des superbes pochettes. J'adore ce genre de compilation là. Stand up, you make me be afraid. Get down, love is like a hurricane. Street boy, no one ever could be tamed. Better believe it. Par là, bien sûr, t'es obligé aux États-Unis. Il y a de la country c'est ce qui domine. Tout ça, on est dans le jazz. Ça part de Stanley Clark, Ramses Lewis et compagnie. Enfin, il y a du potentiel. Enfin, faut fouiner, c'est vraiment le magasin bric-à-broc où faut fouiner. Tu peux trouver ta pièce, tu peux trouver ton classique, tu peux trouver ton maxi. Enfin, chacun s'y retrouve. C'est ça qui est bien dans ce genre de bric-à-broc et c'est ça que je recherche surtout quand je pars à l'étranger. Là, on a le hip-hop. Avec bien sûr ce maxi 45 heures qu'on avait tous, The Wild Thing de Tom Locke. Captain Funk on the radio. Enfin, il y a encore des éditions Def Jam. Le hip-hop est coté. Bien sûr, il en faut. Il y a du rock à gogo. Le rock, ça part de Elvis à U2, à Van Halen. Guilty till I'm proven innocent. Whiplash, heavy metal accident. Rock on, I wanna be president. Cause I love it. Il y en a dans tous les sens. Je vais encore y rester une journée, je le sens, ça va se passer comme ça. Là, si tu veux, il y a les prix sur les maxi 45 tours. C'est pas coûteux du tout, ça vaut le coup. Mais il y a de la musique, les mecs jouent live. Yes, I love you for myself. Loud, I wanna hear it loud, right between the eyes. Loud, I wanna hear it loud, don't want no compromise. Oh yeah, hey, yeah, hey, yeah. Obligé.
Je vais te montrer un truc, c'est des 45 tours en pagaille. Viens avec moi. Well, I've got a letter. He came to me by mail. My baby said she's coming home. I hope that she don't fail, 'cause I feel so good. Yes, I feel so good. Alors là, comme tu vois, on est super mal parce que c'est un peu de tout, quoi. Il y a aussi bien de la housse, de la tech, de la radouille. Enfin, il y a un peu de tout. Ça vaut pas un rond. Enfin, là, je vais pas m'amuser à soulever toutes les bâches parce que je sens que je vais en avoir pour un certain petit moment. Allez, viens, les musiciens sont arrêtés. C'est vrai que ça fait un petit peu de bien. On est bluesy, mais à petite dose. Alors il est temps de s'en aller après un spectacle pareil, comme d'habitude. Dès que je quitte un magasin de disques, c'est la nuit, donc voilà, maintenant, je vais essayer de passer des vacances tranquilles, loin de tout ça. Allez, let's go.